Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, petit podcast simple, j'ai plein de trucs à vous raconter. C'est pour ça qu'il y a la petite prise de notes ici, podcast découpé en 6 points. Ce podcast découpé en 6 points, on va essayer de le faire version Satabasse. Le premier point, c'est évidemment qu'il fait beau. Le printemps, l'été, je sais pas trop où on en est dans ces saisons à la con à cause des réchauffements, des changements climatiques, des volcans qui pètent, etc. Le beau temps est donc plus ou moins de retour. On sait pas trop si ça va durer. Toujours est-il que vous allez avoir bientôt des vidéos en extérieur, un petit peu comme celle des Powerizer, etc. On va essayer de tourner la plupart des podcasts, du moins quand j'ai quelqu'un pour m'assister, parce que poser le trépied, si tout le monde passe à côté, j'ai peur qu'on se barre avec pendant que je suis en train de filmer. Vous devriez avoir donc un peu plus de vidéos en extérieur parce que c'est un peu plus sympa et que ça change de voir un cumulus, un bouquet de fleurs et une bouteille de rhum avec des sirops derrière. Le second point, c'est qu'il va bientôt y avoir, vous le savez si vous me suivez sur Twitter, je vous lance des pics à chaque fois, suivez-moi. Il y a un petit ordi qui va arriver. Qui va arriver dans la famille. Si vous suivez Twitter, si vous avez lu les articles du blog, etc., vous savez plus ou moins quelle machine va arriver sous peu dans mes murs. Cette petite bécane sera équipée d'un SSD et il m'a semblé que c'était l'occasion pour moi, pour vous aussi, de vous refaire des vidéos comme au tout début du blog, vidéos que je faisais énormément pour, entre guillemets, débutants, pour les switchers du moins, pour ceux qui passent de Windows à Mac. Petite vidéo, vous expliquer comment fonctionne un Mac de base, comment le faut configurer quand il sort de la boîte, quel navigateur utiliser plus ou moins, comment fonctionne Mail, NetNewsWire, les petits logiciels qui peuvent être utiles, etc. Refaire donc des vidéos mais pour débutants. Donc à l'occasion de cet ordinateur, je pense que pendant une semaine je vous ferai, à l'occasion de cet ordinateur, c'est pas français, je vous ferai donc des petites vidéos sur une semaine, pourquoi pas en 7 étapes, déballage d'ordinateur, installation du SSD, installation d'un film protecteur sur l'écran pour avoir un écran mat et non plus un écran brillant, dégueulasse, un écran miroir en fait, parce que moi je prends un ordi pour travailler, pas nécessairement pour me crever les boutons dedans, et ça, Apple ils l'ont pas trop compris. Ensuite, les navigateurs Mail et NetNewsWire, comment s'en servir, GarageBand, iMovie, iPhoto, Aperture, etc., tous les petits softs, vous montrer un petit peu les préférences système, machin, tout ce que je faisais à une époque et que je ne fais plus depuis longtemps, et c'est triste, tout le monde pleure, larmes à l'œil, séquence, émotion, merci, au revoir. Le point numéro 3, c'est d'instaurer une chronique musique. On en a parlé un petit peu sur Twitter, tout le monde était « Wouh, trop bien, il va faire de la musique !» C'est pas moi qui vais faire de la musique, en revanche, je vais vous proposer une petite playlist toutes les semaines, les deux semaines, les trois semaines. On sait que je suis pas régulier, quand je vous dis un truc toutes les semaines, je le fais jamais de toute façon. Donc, grâce à Groove Shark, qui est un petit site très sympathique, qui me permettra de faire un unbend d'un player dans le blog, et de pouvoir vous faire écouter les musiques que j'écoute en ce moment. C'est pas nécessairement des nouveautés, c'est pas nécessairement des trucs trop bien qui plairont à tout le monde, mais ça peut vous faire découvrir des morceaux que vous connaissez pas, par définition. Le point numéro 4, je vous le rappelle, vous m'avez fait chier pendant je sais pas combien de mois à me dire « Ouais, Locan, t'as supprimé le podcast iTunes, c'est trop triste, comment on fait, on peut plus télécharger si on a un iPhone, etc. » Le podcast iTunes, je me suis battu avec les nains d'Apple là, pour qu'ils me réinstaurent le bon flux machin, que vous puissiez vous abonner et télécharger les trucs. Maintenant qu'il y est, il y a personne qui est abonné. Va falloir voir de retourner sur la barre latérale du blog, il y a marqué podcast iTunes, on clique dessus et on va s'abonner les petits gars, parce que sinon le truc dans deux semaines il dégage. Ça c'est tout, coup de gueule, merde. Le point numéro 5, on dirait pas passe-partout un peu, le point numéro 5 c'est concept memory design. Je sais pas si vous en souvenez trop, j'avais fait du moins un billet très brouillon, puisqu'il fallait faire un petit billet comme ça pour vous présenter un petit peu des sous-mains. Je sais pas si vous en souvenez, les sous-mains avec tous les raccourcis clavier de Mac, etc., qui sont très sympathiques. Concept memory design, donc le site est fini, ça y est. C'est pas trop tôt, vous me direz. Le site est terminé, les prix sont bons, les numéros SIRET, etc., tout le bordel administratif, c'est en place. Vous pouvez donc aller faire un petit saut, regarder des vidéos, ça c'est rien d'extraordinaire, c'est moi qui raconte des conneries comme d'habitude. Vous pouvez aller voir les photos des sous-mains, vous pouvez commander des sous-mains si jamais l'envie vous tente. Le sous-main est donc, j'ai noté, parce que les gens disent que je décode des conneries, maintenant je vais dire les leurs. Le sous-main est à 29,50€ sous-main seul, mais bon, comme le sous-main il faut qu'il soit livré chez vous, il y a 10,50€ de frais de port. Ça, dites merci à la poste, tout simplement parce que c'est livré en tube, le sous-main est assez gros. C'est livré dans les gros tubes en carton. Et ces gros tubes en carton, la poste veut rien savoir, même si on en envoie 10 000.
5000, ça coûte 10,50€. Ce qui vous fait donc un superbe total de 40€ TTC sous main réceptionnée. Donc voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez là-dessus, commander, pas commander, regarder, pas regarder, etc. Et le point numéro 6, c'est un point photo pour vous dire qu'on va tester, hop, 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 où il est ici, le Samyang 85mm ouverture 1.4, ça rigole plus et c'est super lumineux, je sais pas si vous voyez un petit peu trop la bestiole. Voilà, on y voit quand même pas mal dedans. Ce Samyang m'a été évidemment prêté par le partenaire Miss Numérique qui, comme à l'habitude, est très gentil. Donc le, on va tester ça sur du portrait avec des charmantes demoiselles sous peu, sur des bouquets de fleurs, sur des petites plantes, des escargots, des je sais pas quoi. Puis j'allais vous dire un petit peu quelques petits trucs dessus, mais non, puisqu'il y aura un test pour ça, donc vraisemblablement fin de semaine, je vais essayer de le prendre en main un petit peu cette semaine, et samedi, dimanche, par là, vous aurez, parce qu'en plus je confonds mes coordinations des temps, vous aurez un petit article sur le Samyang 85mm et sous peu un article sur le Samyang 8mm et là on va s'éclater terrible parce que pour faire des photos fisheye de taré ça va être génial. C'est point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était Locan pour Locan.fr, je vous souhaite une bonne journée sous ce soleil radieux, j'ai mis un superbe t-shirt orange pour vous amener un petit peu de gaieté devant votre écran, c'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne fin de, ça je l'ai déjà dit non, passez une bonne fin de journée tout ça, ciao ciao.